Et bonjour à tous amis, c'est Brez, votre gamer favori. Donc on se retrouve pour la boutique du jour de Fortnite du 8 janvier 2024. Donc avec à la une, nouveauté à la une, Elion. Donc Elion en tenue rare avec ses deux customs. Voilà, donc on va voir d'où il vient. Une étoile aînée fait partie de l'ensemble partenaire solaire. Donc c'est cette saison et ce chapitre, donc chapitre 5 saison 1, avec ses deux customs. Donc voilà, il est en tenue rare avec sa version Lego. Et son bocal Anovas, donc il y a deux customs lui aussi. Garder l'air radieux avec une délicieuse douceur solaire, donc voilà. Avec par défaut, fusion à froid, réactivité oui ou non. Alors on peut le rendre réactif ou pas, donc c'est quand même sympathique, je trouve. Voilà, hein. Donc tout ça pour 1200 V-Bucks. L'Helio-H, c'est sa pioche rare, donc mettez des rayons de soleil dans leur vie. Avec deux customs différentes, le chaud et le froid, donc pour 800 V-Bucks. Relax Max, on se détend, donc je sais pas si c'est une petite emote atypique pour 200 V-Bucks. Clap Clack, notre emote atypique pour 200 V-Bucks. Exprimez-vous sur le champ de bataille, saison 1, chapitre 1 pour 200 V-Bucks également. Ensuite, vous avez toujours le retour du pack Mutique avec le style emblématique Mutique et avec ses deux customs différentes en tenue rare. Donc. Réduisez vos adversaires au silence, c'est parti l'ensemble Terreur discrète, saison 1, chapitre 2, donc avec ses deux customs, voilà. En tenue rare, avec sa version Lego, avec son stylo noir qui est son accessoire de dos rare également, pour les combattants qui aiment les styles pointus, avec ses deux customs lui aussi, évidemment. Les mutismes, c'est sa pioche atypique, et faites passer à silence perçant, donc avec ses deux customs également. Et pour terminer, vous avez le noir usé qui est son vêtement d'armes, donc tout ça pour 1500 V-Bucks. Alors pas que vous avez donc Mutique avec Anthony Rare avec ses deux customs, sa version Lego et son sinnoh noir accessoire de dos rare avec ses deux customs pour 1200 V-Bucks. Les mutismes, c'est sa pioche atypique pour 500 V-Bucks avec ses deux customs. Voilà. Ensuite, vous avez le retour de Scorpion, tenue atypique, qui s'y frotte typique, saison 5, premier chapitre, donc Anthony atypique avec sa version Lego pour 800 V-Bucks. La Terreur Fluo qui fait son retour également, donc en tenue rare. Donc la future sera colorée ou ne sera pas. Fait partie de l'ensemble Soleil et Arc-en-Ciel saison 1, chapitre 1. Donc avec sa version Lego pour 1200 V-Bucks. Le solo de Saxo qui revient, l'emote typique, donc pour 800 V-Bucks. Donc essayez de tenir 10 heures, saison 6, premier chapitre. Donc voilà. Avec le chant de marin qui revient également. Emote rare, donc emote de groupe. Joignez-vous au cœur des autres joueurs qui utilisent l'emote champ marin, donc voilà tout ça pour 500 V-Bucks. Voilà, le riff endiablé, donc c'est notre emote hippique. Tout est dans le style, je suis parti en sans fait du bruit, saison 3, premier chapitre, donc pour 800 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez toujours la grippeuse en tenue atypique, donc elle n'a pas, elle n'a qu'à tendre la main, fait partie en sans fleuron de l'armée, saison 9, premier chapitre, donc avec sa version Lego pour 800 V-Bucks. Présage en tenue légendaire, votre victoire a été prédite et fait partie d'un bon auspice saison 4 premier chapitre, donc avec sa version Lego et sa voile de combat qui sont un accessoire de dos légendaire, tout ça pour 2000 V-Bucks. La jalonneuse qui fait son retour, donc en tenue rare avec ses deux customs, donc une tenue jalonneuse rare saison 1 chapitre 1, donc avec ses deux customs et sa version Lego pour 1200 V-Bucks. Jubilation, c'est une petite emote atypique, je vais bien, tout va bien, saison 3 premier chapitre pour 200 V-Bucks. Ensuite, vous avez toujours le pack Chant des Abysses, donc avec Fendra du festival. Donc, elle émerge des eaux troubles pour faire la fête. Fait partie d'ensemble le Chant des Abysses, saison 4, chapitre 4, donc avec sa version Lego. Avec sa gueule béante qui est son accessoire de dos atypique, donc ne mettez pas votre bras dedans. Le parapluie glouton, c'est sa pioche rare, donc la météo du jour, des dents, beaucoup de dents, voilà. Et Dentition qui est son vêtement d'arme atypique, tout ça pour 1700 V-Bucks. Alors pas que vous avez Fendra du festival en tenue rare, donc avec sa version Lego et la gueule béante qui est son accessoire de dos atypique pour 1200 V-Bucks. Le parapluie glouton, c'est sa pioche rare pour 800 V-Bucks, voilà. Pack et hors pack donc. Ensuite vous avez le retour de la fiancée de l'air, donc détentrice de nouveaux records en solitaire, fait partie de l'ensemble As du manche saison 6 premier chapitre, donc avec sa version Lego. Avec ce brasseur d'air qui est son accessoire de dos rare, ne laissez pas les turbulences vous étourdir, donc tout ça pour 1200 V-Bucks. Fendeur du ciel, donc en tenue rare, n'aime rien de plus que les turbulences, c'est parti ensemble à Jument, saison 7, chapitre 1, donc lui aussi, c'est parti du même ensemble avec sa version Lego pour 1200 V-Bucks. Et la voltigeuse, donc également le même ensemble, toujours à l'aise dans
La tête à l'envers, partie à l'as du manche, saison 7, premier chapitre, donc avec sa version Lego, donc en tenue rare, pour 1200 V-Bucks. Le dirigeable, c'est leur petit planeur rare et épique, plus léger que l'air, donc c'est leur petit planeur épique pour 1200 V-Bucks également. Turbine, c'est leur pioche rare pour 800 V-Bucks, voilà. Donc ce petit ensemble sympathique. Ensuite, vous avez le retour de le sorceleur, donc avec le pack Yennefer des Vanderberg, donc avec Yennefer des Vanderberg en tenue série icône, avec son crâne d'oiseau, accessoire de dos. Série icône, série légende du gaming, pardon, excusez-moi, avec son accessoire de dos. Le méga stop de l'univers, donc c'est sa pioche. Et les ailes noires, c'est sa petite emote, voilà. Tout ça pour 1800 V-Bucks. Alors, pas que vous avez Yennefer de Vanderberg et son crâne d'oiseau, accessoire de dos pour 1500 V-Bucks. Le méga scope de l'univers, donc c'est sa pioche pour 800 V-Bucks. Ensuite, vous avez Ciri, donc qui fait partie du même ensemble, donc avec son Zriel, accessoire de dos et pioche. Et Basilic, donc saisissez la pioche Zriel depuis l'accessoire de dos. Quand les deux objets sont équipés des mains de Ciri, mettent une lueur verte quand elle tient Zriel, donc voilà, quand elle tient sa petite pioche, donc tout ça pour 2000 V-Bucks. Ensuite, vous êtes sur le pack Ripley et Xenomorph, donc avec Xenomorph en tenue hippique, avec sa menace Xeno qui est son emote intégrée. La queue de Xenomorph, c'est sa accessoire de dos hippique. Ensuite, vous avez Inline Ripley et ses deux customs en tenue hippique, avec sa cage féline de Wayland Yutami, donc qui est sa petite accessoire de dos hippique. Et pour finir, vous avez le Xenoblevage qui est l'écran de chargement, tout ça pour 2200 V-Bucks. Hors pack, vous avez Xenomorph en tenue hippique avec sa menace Xeno, son emote hippique, et la queue de Xenomorph, accessoire de dos hippique pour 1600 V-Bucks. Hélène Ripley en tenue hippique avec ses deux customs et sa cage féline de Wayland Yutami qui sont accessoires de dos hippique pour 1500 V-Bucks également. Ensuite, vous avez le Jaguar 619, donc le châssis atypique, donc avec ses stickers typiques, Pro du circuit, Euphorie, Kraken, Avis de tempête, Rayure et le sommet, tout ça pour 1500 V-Bucks. Ensuite, vous avez toujours le pack The Weeknd, donc avec Weeknd combattant en tenue série icône, par contre, avec ses trois customs, avec masqué son emote intégré. Le Xio, c'est son accessoire de dos. La HZio, c'est sa pioche. La Sox Xio, c'est son vêtement d'arme. Les rimes de tendance, c'est sa petite emote. La Grat Xio, c'est sa guitare. Les claviers Xio, son petit clavier, tout ça pour 3500 V-Bucks. Alors, pack, vous avez donc Weeknd combattant avec ses trois customs, avec masqué son emote intégré et le Xio, accessoire de dos pour 1800 V-Bucks. La Grat Xio, c'est sa guitare pour 1000 V-Bucks. Le clavier Xio, son petit clavier pour 1000 V-Bucks également. Le de tendance, c'est sa petite emote pour 500 V-Bucks et la HGO, c'est sa pioche pour 500 V-Bucks également. Voilà. Ensuite, vous avez toutes les pistes musicales, donc une vingtaine au total, avec le retour de Mécano en tenue rare, donc avec ses deux customs, comme vous voyez actuellement à l'écran, avec sa version Lego, avec Détritos qui est son accessoire de dos rare également et ses deux customs pour 1200 V-Bucks. Ensuite, vous avez la basse à molette, donc c'est un petit instrument de musique, pas la peine d'essayer de régler la molette, donc tout ça pour 1000 V-Bucks, elle est rare. Ensuite, vous avez coup de cœur pour fête, pour coup de cœur des fêtes, donc avec le pack vêtements chauds, donc avec le soldat Reno qui fait son retour, avec sa version Lego, le chasseur polaire en tenue atypique également, avec sa version Lego, le pullover, c'est leur planeur rare, et tu n'aurais pas lu, c'est leur pioche atypique, tout ça pour 2000 V-Bucks. Hors pack, vous avez le soldat Reno, donc en tenue atypique, et sa version Lego pour 800 V-Bucks. Le chasseur polaire, donc en tenue atypique et sa version Lego pour 800 V-Bucks. Le pullover, c'est le petit planeur rare pour 800 V-Bucks. Tu n'aurais pas dû, c'est la pioche atypique pour 500 V-Bucks, voilà. Ensuite, vous avez le retour du petit pack Gardouillette, donc avec la brouilleuse joyeuse. Si le combat est chaud, tant mieux. Donc avec ses 4 customs, comme vous allez voir actuellement à l'écran, en tenue atypique, voilà, la deuxième custom. La troisième. Et donc la quatrième, avec sa version Lego pour 800 V-Bucks. La défendeuse Douillette, donc c'est pareil, c'est le même ensemble. Donc on peut triompher en restant simple, donc avec ses 4 customs, comme je vous montre actuellement à l'écran, voilà. Avec sa version Lego pour 800 V-Bucks également. La patrouilleuse pyjama, donc en hiver il faut se mettre à l'aise, donc avec ses 4 customs également. En tenue atypique, elles aussi. Voilà, avec sa version Lego pour 800 V-Bucks. La jalouse joviale, donc une partie de laine de saison, donc avec ses 4 customs elle aussi, en tenue atypique pour 800 V-Bucks avec sa version Lego, voilà. Ensuite, vous avez sur le pack Sentinelle Rebelle, donc avec un accès permanent pour 18,49€, avec un accès permanent à la campagne Sauver le Monde. Vous gagnez 1500 V-Bucks en accomplissant 4 quotidiennes dans Sauver le Monde. Terminez la défense du bouclier anti-tempête base de 3 pour déverrouiller ces quêtes et entamer ce pack de défis qui comprend donc la tenue
Dara en tenue hippique, avec sa version Lego, avec son fourreau dague épée accessoire de dos rare, et la dague épée de mercenaire, c'est sa pioche rare, donc tout ça pour 18,49€, et vous pouvez gagner jusqu'à 1500 V-Bucks en accomplissant les quêtes. Ensuite, vous avez le pack de quêtes de l'exilé, pour 9€, donc avec Absinthe, guerrier du vide, en version rare, enfin, en tenue rare, donc, avec sa version Lego, avec son noyau de vide, du vide qui est son accessoire de dos, et la pioche ravageuse de vide qui est son accessoire de dos rare, donc et la pioche ravageuse du vide atypique, tout ça pour 8,49€. Donc vous avez des quêtes à accomplir pour gagner jusqu'à 1000 V-Bucks. Ensuite, vous êtes sur le pack d'unitaire doré, donc avec pour 17,25€, donc avec Ambre Auric avec sa version Lego. Sahazel à pointe creuse, c'est son accessoire de dos hippique. La coupeuse immaculée, c'est sa pioche rare. Ensuite, vous avez Camalité Flingueuse, donc avec sa version Lego. Diablovin, Biscornu, c'est son accessoire de dos hippique. La hache flingueuse, c'est sa pioche rare. Ensuite, vous avez l'Oriatan en tenue hippique avec sa version Lego. Le coffre sous-marin, c'est son accessoire de dos atypique, hippique, pardon. Et la trancheuse à harpon, sa pioche rare. Donc, tout ça pour 17,25€ si vous achetez ce petit pack. Sinon, vous avez toujours possibilité de souscrire au Club Fortnite pour 12€ par mois. Depuis le mois de décembre, vous avez l'ensemble de fidélité au club, des objets cosmiques exclusifs au club depuis 2023. Hein, je parle de l'année dernière. Donc de oui, de, non, de l'année d'avant, depuis l'ensemble, ça fait presque 2 ans maintenant, c'est depuis 2022, pardon, depuis décembre 2022 que l'ensemble est disponible, donc l'ensemble de fidélité au club, donc des objets cosmiques. Et ce fidélité au club, donc une nouvelle étape est livrée chaque mois tant que votre abonnement au club de Fortnite est actif. Vous obtenez le Rocket Pass Premium, donc grâce à votre abonnement au club, accédez au Rocket Pass Premium de Rocket League sur vos appareils compatibles, plus d'infos sur fn.gg/Rocket League. Si vous avez le pass de combat, ils vont pour 550 bugs, vous recevez 1000 bugs chaque mois à date de facturation du club. Et ce mois-ci, c'est toujours Silas Esk en tenue hippique avec son sac serpentin accessoire de dos hippique et les crocs de Esk, c'est sa pioche rare. Donc, tout ça pour 12€ par mois, les amis, si vous souscrivez aujourd'hui au Club Panda. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'oubliez pas de la liker, la commenter, la partager. Je répète tous les jours. Je ne sais pas si vous allez jusqu'au bout de la vidéo, mais vous ne regardez pas suffisamment de la vidéo pour arriver là et mettre un petit commentaire brasier pour que je sache que vous avez regardé entièrement la vidéo. C'est dommage, mais n'hésitez pas à le mettre si vous regardez entièrement la vidéo parce que ça aide plus que si vous regardez juste la miniature ou 30 secondes de la vidéo, les gars, ça aide pas du tout. Hein. Donc là, j'ai envie d'avoir plein de commentaires et plein de petits pouces bleus, les gars. Donc je fais des 500 vues et vous imaginez que je devrais avoir 500 commentaires minimum et 500 pouces bleus. Donc non, jamais. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à regarder vraiment la vidéo, les amis. Hein. Donc mettez vos petits pouces bleus, le petit commentaire pour juste savoir si la boutique vous plaît. Qu'est-ce que vous aimeriez voir autre chose sur la chaîne ou pas. Donc exprimez-vous, c'est tout ce que je vous demande les amis, mettez bien le pouce bleu, mettez bien le commentaire, mettez bien le partage aussi, partagez vos amis, à votre famille, à qui vous voulez, que vous connaissez surtout, voilà, et sur vos réseaux sociaux, ça aide vraiment la chaîne. Et pour terminer, donc voilà, si t'es pas encore abonné, que tu regardes ma chaîne, vous êtes encore très nombreux, vous êtes 85% je crois à regarder la chaîne, que vous n'êtes pas abonné à la chaîne, donc n'hésite pas à le faire, c'est gratuit, tu cliques en bas à droite, tu t'abonnes, c'est marqué s'abonner, tu cliques dessus, c'est totalement gratuit, et tu peux activer la cloche de notification pour être notifié des prochaines sorties vidéo, et pour le soutien, tu le connais par cœur si tu joues à Fortnite ou à Rocket League, donc c'est deux jeux auxquels je sais que ça fonctionne pour le moment, donc si vous avez d'autres jeux justement épiques, mettez-moi dans les commentaires. Et je vous dirai que ça fonctionne aussi dessus. Donc, c'est le code que tu connais par cœur. C'est le code qui a réchauffé l'été dernier, qui a enflammé l'été dernier, qui a réchauffé ton hiver. C'est le code de l'année. C'est le code de l'année 2023 et 2024. Donc, c'est le code brasier en majuscule, en minuscule. Vous mettez fouillé. Moi, ça m'aide énormément. Et sur ce, je vous laisse. Je vous dis, nous on se retrouve ce soir à 18h pour notre live GTA. Donc, je compte sur vous. À tout à l'heure. Bye bye. Passez une bonne journée.